on est là aujourd'hui dans le cadre de nos activités culturelles, surtout pour le problème des masques, parce qu'actuellement, le problème des masques, ça pose problème. Et là, vraiment, il y a tellement de dérapages avec les jeunes. C'est pourquoi aujourd'hui, on s'est réunis ici, au moins pour lancer un appel à la jeunesse, à tout le monde, à tout Kédovin autochtone, quand même, pour se donner la main et relancer notre culture, notre coutume, surtout le masque, qui est un symbole emblématique de notre culture. Donc, là, actuellement, on est là, ensemble, c'est dans ce cadre. Et voilà, parce que vraiment, il y a des problèmes et on n'aime pas vraiment mettre en cause notre culture, suspendre notre culture, comme ont l'intention, par exemple, les autorités. Et effectivement, on leur comprend quand même, on leur comprend. Le problème, c'est à notre niveau. C'est pourquoi, actuellement, toute la jeunesse de Kédougou, les populations, sont engagées à venir redresser, relancer leur culture et redorer l'image des masques quand même, surtout le simo communément appelé Diankouran à Kédougou. Donc c'est pourquoi on lance, on appelle vraiment à tout le monde à venir et donc nous aider à relancer ce qui. Pour cela, les jeunes ont été formalisés en association. Donc communément, on sait qu'à Kédougou, il y a deux langues. Il y a le malinké et le peul. C'est pourquoi généralement on parle de Fulakunda et de Maningakunda. Ce sont deux cultures qui constituent l'ensemble de la culture de Kédougou. Fulakunda ne peut pas aller sans Maningakunda, Maningakunda ne peut pas aller sans Fulakunda. C'est pourquoi aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a Fulakunda, Maningakunda, peul et malinké, nous sommes tous là. Donc les habitants autochtones de Kédougou, pour vraiment lancer un appel aux autorités. D'abord, pour la réorganisation, on a formalisé ça en association, donc du domaine administratif, pour être en phase avec la réalité socio-administrative et socio-culturelle encore. Parce qu'avant, l'administration n'avait rien à voir dans notre culture. Donc, mais maintenant, vu les circonstances, les réalités ont changé, et la société a changé. Actuellement, la loi, il faut qu'on en tienne compte. Il y a des étrangers, assez d'étrangers à Kédougou. Donc, il faut aller maintenant en phase avec la loi. Parce que ce n'est pas parce que c'est notre culture, ce n'est pas parce que c'est chez nous à Kédougou qu'on veut dire, quand on sort en Diankouran, qu'on va bloquer l'activité de quelqu'un ou empêcher quelqu'un à aller faire quoi que ce soit. Donc là, notre culture nous concerne. Certainement, les étrangers ne sont pas concernés. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il y a un peu d'interférence, parce que d'autres viennent provoquer les masques au cercle même et dire qu'aucun masque n'a le droit de me taper. Donc là, on sent nettement qu'ils ne sont pas de notre culture. C'est pourquoi on a formalisé les gosses quand même en association. Et maintenant, ils sont en phase avec l'administration. Donc pour aller travailler et organiser. Et pour les sorties des masques, on a constitué des commissions d'organisation spécifiquement chargées des masques. Donc ce sont ces commissions qui vont organiser. Maintenant, il y a la police des masques aussi qui va gérer les masques. Quand on sort les masques, il y a la police des masques qui contrôle la conduite des masques. Donc un masque qui ne respecte pas les conduites traditionnelles et administratives, il y a la police des masques qui va agir automatiquement. Et on en parlait avec l'administration la fois dernière. Vraiment, ils sont très d'accord, surtout avec la police des masques. Donc, l'administration compte surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la police des masques encore. Les autres règles, par exemple, il y a le port. Pour porter le masque. Maintenant, ça a changé. Avant, entre les années 90 jusqu'à 2000, on voyait n'importe qui. Et maintenant, il faut être Kédovin, âgé au moins, au minimum, de 21 ans ou plus. Et ensuite, maintenant, pour s'impliquer aussi, même pour aller en brousse comme Barafili, il faut être Kédovin, avoir au minimum 18 ans. Moins de 18 ans, on ne doit plus aller en brousse. Donc, c'est un changement radical. Certes, on ne pourra pas ramener ça comme dans les années d'antan.
Mais on fera un effort quand même pour maintenir l'image de notre masque, Inch'Allah. Voilà, la communauté en général, à l'unanimité, la communauté est pour la formalisation des gosses. Parce que tout le monde décrit. Moi, en tant que chef coutumier, j'ai souvent des réclamations de la part de la communauté. Parce que tout le monde est indigné. De là jusqu'à l'étranger, tous les Kédovins sont indignés lorsqu'ils voient certains comportements des masques ou bien s'ils entendent des informations vraiment qui ternissent l'image de notre masque. Tout le monde est indigné, donc tout le monde en parle pour se serrer la main et redorer l'image de nos masques, vraiment ramener les vrais Simo. Le Simo, cela veut dire, c'est la culture, c'est le Simo, le masque, c'est pourquoi. Donc le masque, c'est pour montrer le Simo, la case de l'homme. Quand on est dans la case de l'homme, ça c'est le Simo qu'on parle, parce que le masque, tu traites avec les masques et ça, les masques te montrent le Simo. Ça c'est le secret de l'homme.